Apollyon avait témoigné la même générosité envers son peuple qu'envers le nôtre. Pour comprendre ce qui se passait en Ashfeld, il fallait partir en exploration. Ashfeld aimait se rappeler à notre bon souvenir. De temps à autre, le sol tremblait et vomissait du feu, comme pour nous mettre en garde. Le passé pouvait se reproduire. Les terres de la Légion de Fer, au sud, étaient plus stables que les nôtres. Ashfeld elle-même rejetait la stabilité. Or, nous sommes tous le reflet de notre foyer. Dévore les faibles en Ashfeld. Je devais trouver Momiji et terminer notre reconnaissance. Depuis la guerre contre les Vikings, la Légion d'Obsidienne avait maté 7 rébellions. La loi martiale était la seule que comprenait notre peuple. Où a-t-elle bien pu passer ? Le château n'était pas si abandonné que ça. Notre reconnaissance discrète paraissait bien compromise. Bien bas. Demaire.
Nous n'aurions peut-être pas dû nous mettre les chevaliers à dos. Je regrette presque la prison. Désorganisé. J'ai vu une sentinelle. Et un groupe de chevaliers qui quittaient la forteresse. On devrait les suivre. Les frontières d'Apollyon étaient ouvertes. Mais par qui ? Je la connais. La Sentinelle. Une rébellion ? En sont-ils capables ? On ferait mieux d'y aller. Pourquoi ? Il était temps de partir. Tu ne pourrais pas boiter plus vite par hasard. D'avis de presser le pas.
Le vieux pont de l'ancienne cathédrale tombe en ruine. Un jour prochain, il tombera tout court, comme tant d'autres avant lui. Nous ne sommes pas ton ennemi, champion. Vous avez exécuté la famille impériale. Nous avons quitté l'obsidienne. Et le mien. Il vaut mieux que ça. J'avais raison. Tu es bien le champion impérial. Ton armée a le champ libre jusqu'à la forteresse d'Obsidienne. Bonne chance. J'avais pu jauger cette sentinelle. Quand on croise le fer avec quelqu'un, on connaît sa vraie valeur. Les pillards vikings sont partout. Nos propres légions se livrent une guerre interne. Et voilà que le champion impérial frappe à ma porte avec son armée. Ce jour est celui des loups. À tous les renforts, ne perdez pas cette cour. Les samouraïs ont enfoncé la deuxième porte. Les voilà!
Madame, la Légion de Fer est au pied de nos murs. Te voilà. Que comptes-tu faire, Holden ? Enfin... Partez ! Retenez les samouraïs. Je m'occupe de la Légion de Fer. De la Légion d'Obsidienne. Nous avions enfoncé les portes, obstrué les tunnels. Nous les tenions. Les catapultes étaient au niveau supérieur. La priorité était de détruire leurs catapultes. Quelque part. Elle ne m'échapperait pas. Nous devions bloquer les accès pour empêcher les renforts d'entrer. En chasse. Okuma ! Mais bien sûr, pourquoi pas ? Nous ne pouvions que monter. Thank you.
question que leur chef s'enfuit. Je devais donner du temps à Okuma. Soulève, vite! Dépêche-toi, Okuma! Ça y est! Vas-y, Orochi! Avance. Tu vas y arriver. Je ne pouvais pas laisser fuir Apollyon. Je devais la trouver. Mon château est vaste. Il a eu bien des maîtres. Chaque légion l'a redécoré à ses couleurs. Moi, je préfère laisser leurs décorations intactes. Leurs symboles sont les trophées de mes conquêtes. Oh, le champion. Non, super. J'entendais les chevaliers s'entretuer. Voilà. Enfin, l'Empire du Levant est arrivé. Soumets-toi, Apollyon. Sans façon. Je l'avais trouvé. Il me restait à survivre. Pour l'empereur. Ha!
Je suis... Dépasser les miens. J'allais devoir me surpasser. Nous attendons tous. Le guerrier est celui qui ne laisse pas cette certitude l'empêcher de faire son devoir. Viens donc, guerrier. Le dénouement était proche. C'est le moment. La paix va régner. La paix ? Alors ? Et maintenant ? Vous rentrez tous chez vous ? Vous êtes venu chez moi. À la tête de vos armées. Que croyez-vous qu'il advienne ? La paix ? Le monde ne fonctionne pas ainsi. Ne me parlez pas de vos vertus. Le devoir. Le clan. L'honneur.
Vous avez renié votre nature. Tu ne veux que la guerre. Tout ce que je veux est que vous acceptiez votre nature. Vous tous. Mais Lou, vous savez tout. 7 années de guerre et de sang. Apollyon s'est joué de nous. Elle nous a manipulés. Pourquoi? Pour tuer les faibles. Pourquoi nous as-tu appelés, Cross? Ce n'est pas moi. C'est ma sentinelle qui m'envoie. Pour s'excuser. Comment oses-tu ? Mes frères sont morts par milliers ! Vas-y, c'est l'occasion de te venger. Nous nous sommes parlé, comme ta sentinelle le souhaitait. Mais quel est son but ? La paix. La paix. Même si c'était possible, ce n'est pas notre rôle. Est-ce un but si méprisable? Eh bien, non, mais... Ah. Ici et maintenant. Disons que ça ne tient qu'à nous. Nous courons tous au suicide. Vous le savez. Mais ça ferait une belle histoire.